Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Un Good Morning Market qui sera un peu plus long que d'habitude, un peu comme chaque lundi matin. Un Good Morning Market hebdomadaire et nous sommes donc à l'aube des élections américaines au lendemain de l'annonce de mesures de confinement dans certains pays européens et nous allons essayer de répondre à cette question. Faut-il acheter le confinement? Bien entendu, on pense au dernier confinement qui a été le point de départ d'un rallye des indices boursiers. Donc lors de cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question, à savoir s'il faut ou non entrer sur le marché à l'achat suite à ces nouvelles mesures de confinement. Alors les confinements comme opportunité, c'est vraiment la question que l'on se pose. Et nous sommes dans un contexte où les indices ont fortement baissé et pour cause, la seconde vague de coronavirus est en train de se matérialiser et de nouvelles mesures de confinement ont été annoncées, notamment en France, en Allemagne et plus récemment au Royaume-Uni. Alors les indices européens cèdent, mais aux États-Unis, et ce malgré le risque électoral, Wall Street reste à des niveaux relativement élevés. Alors est-ce une aubaine hein, de prendre une position à l'achat ou est-ce juste un piège pour les bullish, pour les acheteurs? Alors on peut constater sur ce graphique ici de droite, le rebond hein, qui a précédé justement ces mesures de confinement qui pourrait laisser penser que le sell-off actuel pourrait constituer une excellente opportunité d'achat. Donc lors du confinement du printemps, nous avons assisté à un rebond des marchés. Devant vous, une représentation justement du DAX, du S&P 500, Nasdaq, le SP 35, le FRA 40 et le W20 qui ont agi de la même manière suite aux mesures de confinement. Alors pourquoi avons-nous assisté à un tel rebond? C'est justement cette illusion monétaire qui a parfaitement fonctionné. Il faut savoir que les marchés étaient bernés par l'illusion d'une reprise en V conjuguée à une politique des banques centrales qui pouvait justifier des valorisations plus élevées. Nous sommes dirigés d'une reprise en V à l'hypothèse d'une reprise en L. On parle actuellement d'une reprise en K, c'est-à-dire une reprise où les plus forts s'en sortiront beaucoup plus solides et les plus faibles tendront à disparaître. C'est une reprise en K qui semble se matérialiser actuellement. Et face à cette illusion monétaire, la consommation, et on peut le voir sur le graphique de droite, a en effet rebondi. Une consommation qui a rebondi grâce notamment à une ouverture peut-être trop précoce de nos économies au printemps, mais également à un stimulus massif. Alors il faut savoir que cette illusion monétaire a impacté, a fait effet justement sur ceux qui en ont bénéficié, ce qui leur a permis donc de consommer rapidement, alors que les contribuables, hein, qui étaient accablés par des taux d'intérêt réels négatifs, ont pris conscience de l'aggravation de la situation que tardivement, ce qui devrait entraîner de nouvelles baisses de la consommation. Alors sur le graphique de droite, on voit ces ventes au détail qui ont rapidement rebondi dans la plupart de nos économies. Alors, nous avons parlé donc de la consommation. Nous allons aborder à présent la production et donc une reprise industrielle qui a été beaucoup plus lente, hein, car ce qu'il faut et donc ce qu'il faudra surveiller de près, c'est justement la production industrielle en provenance d'Allemagne et du Japon qui sont considérés comme des moteurs. Et donc cette illusion monétaire n'est pas appropriée d'un point de vue de la production et donc ce nouveau confinement, de nouveaux confinements auront probablement un impact négatif, mais pas autant que sur la consommation. Cela devrait simplement diminuer le rythme de reprise de la production industrielle et donc mener à une période beaucoup plus prolongée de faiblesse économique. Et ici, on va s'intéresser à ce que l'on a vu pendant le printemps. Pendant le printemps, pendant ces annonces de confinement, un confinement qui a justement marqué le creux du marché. Et donc, cela vient justifier cet adage de « The time to buy is when there is blood in the streets ». Le moment d'acheter est venu lorsque les rues sont baignées de sang, a clairement été vérifié. Un adage qui a clairement fonctionné car nous étions en pleine mesure de confinement et il s'est avéré qu'à ce moment-là, c'était clairement le moment d'acheter. Et ce sont des interventions massives qui ont permis d'éviter la poursuite du repli et donc des confinements qui ont marqué, qui ont permis de marquer un creux. On le voit ici avec en 1, c'était l'annonce du confinement en Italie, en 2, l'annonce
du confinement en Espagne, en 3, l'annonce du confinement en France, en 4, l'annonce du confinement en Allemagne, et enfin en 5, l'annonce du confinement au Royaume-Uni, et donc des mesures de confinement qui sont venues marquer ce creux et ce fameux adage qui a clairement été vérifié, car effectivement, le moment où nous étions face à des plus grosses difficultés d'un point de vue pandémique, s'est avéré être le moment où il fallait acheter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout de même de nombreuses différences par rapport à la situation que nous avons connue au printemps. Notamment, nous faisons face à des évaluations beaucoup plus élevées que précédemment, mais également un FOMO plus fort. Alors, qu'est-ce que ce FOMO hein? C'est le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. C'est un peu ce mécanisme psychologique qui entre en jeu pendant les périodes de soldes. On est un peu pressé par la peur, justement, de manquer une occasion. Et c'est exactement ce principe psychologique qui pourrait jouer sur la psychologie des investisseurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au printemps, les marchés ont subi des baisses extrêmement conséquentes allant de 35 à 50%. À l'heure actuelle, nous allons prendre pour exemple le S&P 500 qui se trouve à proximité de ses sommets, à moins de 10% de ses récents sommets. Cependant, les valorisations sont actuellement beaucoup plus élevées, et ce, même sur les marchés les moins performants. Alors, il faut garder à l'esprit tout de même qu'il n'y a pas de menace d'effondrement économique. C'était la crainte principale pendant les premiers confinements en mars. Mais d'un autre côté, nous tablons de plus en plus pour une stagnation de long terme de l'économie, une stagnation beaucoup plus durable, et c'est le réel risque qui pèse actuellement face à ces nouvelles mesures de confinement. Donc pas de menace d'effondrement économique au sens large, mais une menace réelle d'une stagnation durable. À noter également que les ratios semblent indiquer que nous n'avons toujours pas atteint un plancher, un dip, si je puis dire, un creux. Cependant, l'effet FOMO est extrêmement fort et les investisseurs craignent de rater le rebond et de se retrouver avec des liquidités qui, au passage, ne donnent aucun intérêt. Alors, en se basant justement sur la situation du mois de mars, cet effet FOMO s'en trouve clairement amplifié, et même dans un scénario extrêmement pessimiste, dans le pire des scénarios, on pourrait assister à des rebonds spectaculaires après une phase baissière. Donc prudence justement à cet effet FOMO qui pourrait nous faire vivre des rebonds avec un momentum extrêmement fort. Alors, il faut noter également que Wall Street est loin d'être survendu. On va se baser sur le sentiment qui se base sur le S&P 500. Ce dernier reste relativement élevé, mais il se retire actuellement de la zone de surachat. Alors, quelle en est la raison? Tout simplement, un faible ratio pull-cut. Donc, les puts, ce sont les options de vente. Les calls, ce sont les options d'achat. Et donc, les investisseurs, mais également les traders particuliers, continuent de miser agressivement sur les options d'achat. Et c'est ce qui pourrait donc justement expliquer un sentiment sur le S&P 500 qui reste plutôt élevé. Et enfin, donc, bien entendu, à l'aube de ces élections, nous allons détailler ce risque capital pour les marchés américains, un risque électoral qui est très peu pris en compte. Et il faut noter donc qu'une correction reste extrêmement probable après une éventuelle victoire de Joe Biden. Alors, par conséquent, les acheteurs, notamment sur les indices européens qui sont actuellement survendus, doivent garder à l'esprit que d'éventuelles baisses sont possibles, pourraient se matérialiser, notamment en cas de correction de Wall Street. Alors, pour résumer, il faut garder en tête que d'un point de vue fondamental, il y a un risque de difficultés économiques à long terme avec une stagnation de l'économie, et un marché baissier pourrait se prolonger. Cependant, en raison de la stimulation extrême de la politique monétaire et du scénario que nous avons vécu pendant le printemps à la suite des premiers confinements, il y a un énorme effet FOMO, Fear of Missing Out, qu'il ne faudra pas mettre de côté. Alors,
Alors par conséquent, même dans un scénario de marché baissier, il faut s'attendre à de nombreuses phases de rebond avec un fort momentum. Alors concernant le DAX allemand, nous avons donc à court terme un objectif à 12 200 points, à condition bien entendu que la zone à 11 000 et à 11 300 points soit défendue. Et d'ailleurs, pour investir, vous avez également la possibilité de passer par des ETF, notamment les deux qui sont indiqués un peu plus bas, le DAXX.DE et le IMAE.NL. Alors nous allons aborder à présent le marché d'échange avec, nous allons mettre l'accent bien entendu sur la Banque Centrale Européenne, une Banque Centrale Européenne qui se dit prête à agir très prochainement, mais pourquoi? Alors nous sommes un peu entrés dans cette folie de la création monétaire, la BCE n'a pas annoncé de nouvelles mesures lors de sa dernière réunion du mois d'octobre, toutefois la BCE a suggéré de nouvelles interventions en décembre. Alors une BCE qui est supposée renforcer ses programmes d'achat d'actifs et avec un bilan donc qui devra fortement augmenter en 2021. Et la BCE ne sera pas la seule, bien entendu. Toutes les autres grandes banques centrales devront augmenter leur bilan très prochainement. Et donc, cette politique de la Banque Centrale Européenne est-elle désastreuse ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les rendements des obligations allemandes à 10 ans qui sont en territoire négatif depuis déjà assez longtemps, on le voit ici, avec ce 10 ans allemand en dessous de zéro, et ainsi la stimulation des achats d'actifs n'améliorera aucunement l'activité économique. Alors, quel est le but justement de la Banque Centrale Européenne? Pourquoi tout cela? Tout simplement pour faciliter le financement d'énormes déficits à venir, ce qui permettra bien entendu de mettre en place de futurs plans de relance pour relancer l'économie. Toutefois, il y a des inconvénients à cela. Tout d'abord, l'épuisement de l'épargne privée, le transfert de capitaux de la classe moyenne. Donc, voilà ce que la BCE a en tête. Concrètement, son seul objectif est de faciliter le financement du déficit. Alors, l'euro-dollar perd du terrain. Donc, pourquoi l'euro-dollar perd du terrain? À quoi s'attendre concernant l'euro-dollar? Tout d'abord, il faut savoir qu'il faudra s'attendre à une volatilité élevée suite aux élections américaines. Mais d'abord, c'est l'aggravation de la situation en Europe, les perspectives d'un nouvel assouplissement de la politique de la Banque Centrale Européenne et le positionnement élevé sur la monnaie unique qui constitue principalement une menace de taille sur la paire euro-dollar. À noter également le spread à 10 ans qui est en baisse depuis un certain temps et suggère que la paire euro-dollar pourrait tomber en direction de la zone des 1,14. Et enfin, il faut garder à l'esprit ces élections américaines qui seront source de volatilité et je le précise à court terme. Pour le billet vert, donc un euro-dollar qui fait face à une pression baissière, un euro-dollar qui pourrait même aller chercher le seuil des 1,14. Nous allons à présent mettre l'accent sur les élections américaines. Nous le savons tous, Joe Biden mène la danse, mais l'incertitude domine tout de même. Alors pourquoi? Est-ce que Joe Biden doit être confiant quant aux résultats? Il faut savoir... et d'ailleurs, vous avez tous les sondages, tous les résultats sur votre gauche, sur la gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sondages sont en faveur de Joe Biden, mais on se souvient des précédentes élections, les sondages étaient clairement en faveur d'Hillary Clinton, et c'est Donald Trump qui a créé la surprise. Il faut garder à l'esprit également que Donald Trump a réussi à gagner du terrain contre Joe Biden dans de nombreux états swing, ces états clés qui devraient donc être déterminants quant à la détermination d'un potentiel vainqueur. Cependant, il faut un fait marquant. Les récents sondages indiquent que Joe Biden serait gagnant au Texas, ce qui pourrait être la clé pour une éventuelle victoire. Alors en Floride, les votes sont déjà comptabilisés et si Biden gagne la Floride, il n'aura besoin que d'un seul état supplémentaire pour devenir le nouveau président des États-Unis. Donc c'est une soirée qui s'annonce mouvementée. Nous allons débuter cette soirée électorale par un webinaire à partir de 16h dès demain et donc toute la soirée électorale sera couverte
par de nombreux articles pardon, dans la session actualité de la plateforme Xstation 5. Alors, concernant le marché des matières premières, nous allons nous attarder sur le pétrole, mais également sur le gold. Tout d'abord, pour le marché pétrolier, est-ce que l'OPEP va réagir à la baisse de la demande? Et concernant le gold, est-ce que les élections américaines vont avoir un impact? Bien entendu, la réponse est oui, mais le tout est de savoir quel impact vont avoir ces élections sur les cours du métal jaune. Alors, on va débuter sur l'or noir. L'OPEP va-t-elle réagir face à la baisse de la demande? Alors, nous avons pris connaissance récemment d'un rapport de l'EIA qui suppose que le quatrième trimestre 2020 verra une nouvelle baisse des stocks hebdomadaires. Cependant, l'EIA n'a pas pris en compte cette deuxième vague de Covid-19 et un nouveau confinement général. Alors, on en a parlé hein, il y a une semaine ou deux de cela, suite à la publication, hein, dans la foulée de la publication de ce rapport de l'EIA. L'EIA qui a toujours des estimations un peu trop optimistes et ne prend pas en compte pardon, les scénarios pessimistes qui, malheureusement, sont les scénarios les plus probables. À noter que la mobilité mondiale, nous en avons parlé également, hein, ça fait partie pardon, des indicateurs à surveiller très prochainement. La mobilité mondiale est déjà en net repli et l'OPEP fait face à une production libyenne qui devrait revenir à plus de 1 million de barils par jour. Alors, qui est revenu, c'est faux, hein, qui devrait revenir très prochainement. Donc, à corriger. Et donc, nous avons des tensions des deux côtés, du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, étant donné qu'il y a un retour de la production libyenne très prochainement à hauteur de 1 million de barils par jour, donc une hausse de l'offre. Et du côté de la demande, étant donné qu'il y a une baisse de la mobilité suite aux nouvelles mesures de confinement, et donc une baisse de la mobilité qui va entraîner une baisse de la demande d'essence. Et donc, il y a une pression du côté de l'offre et du côté de la demande. Et l'OPEP devrait, dans ce contexte-là, prolonger les réductions de production au-delà de janvier si elle souhaite stabiliser le marché pétrolier et permettre au cours de s'installer durablement au-dessus des 40 dollars le baril. Alors, le résultat des élections aura très probablement un impact hein, sur les cours du pétrole. Suite à une victoire de Trump, l'impact sera positif seulement à court terme. Et suite à une victoire de Biden, l'impact serait négatif à long terme. Pourquoi? Nous en avons parlé hein, précédemment. Joe Biden serait en faveur d'une levée des restrictions, notamment, hein, c'est l'un des facteurs suite à une élection de Joe Biden. Donc Joe Biden qui sera en faveur d'une levée des restrictions imposées à l'Iran, ce qui devrait alimenter l'offre mondiale. Et donc on devrait voir apparaître le pétrole iranien sur le marché mondial. Et c'est seulement une des raisons. Alors, nous allons nous intéresser à présent au métal jaune. Alors, est-ce que les élections américaines vont avoir un impact? Bien évidemment, oui. Cependant, il faut noter que la volatilité au cours de la période de 3 à 8 mois suivant les élections présidentielles a été relativement faible. Hein. Sur le graphique de gauche, on retrouvera donc l'évolution de leur suite aux élections américaines. Hein. Nous avons 8 élections américaines et leurs résultats et leur impact sur les cours du métal jaune. À titre d'exemple, les élections de 2016 ici représentées en rouge avec un gold qui était déjà en repli à l'issue des élections et un gold qui a par la suite fortement progressé. Et justement, donc, des cours de l'or qui ont réagi fortement à la victoire de Trump, alors que les cours étaient initialement en repli. En ce qui concerne donc le métal jaune, tout dépendra du billet vert et la perception justement de ce risque par les investisseurs. Alors, théoriquement, une victoire de Donald Trump signifie donc un risque beaucoup plus faible à court terme, et donc on peut s'attendre éventuellement à une nouvelle baisse des cours. D'autre part, une victoire de Joe Biden pourrait être associée à un plan de relance plus conséquent et donc des hausses potentielles des cours du métal jaune. Alors, selon nous, chez XTB, nous estimons qu'il y a de fortes chances d'assister à un repli en raison d'une diminution du risque, une phase de repli qui pourrait être suivie d'un rebond conséquent en décembre ou en janvier sur la base des fondamentaux. Et à noter que si Joe Biden l'emporte de peu, le cours de l'or pourrait monter en flèche.
Car la question sera, est-ce que Donald Trump acceptera de céder le pouvoir de manière pacifique ou non? Donc de nombreux risques pèsent et les élections américaines auront très certainement un impact sur les cours du métal précieux. Alors voilà, donc cette partie touche à sa fin. Nous allons passer à présent à la partie plus traditionnelle de notre Good Morning Market. Nous avons à présent pesé les différents éléments, les différents risques qui pèsent sur ce marché. Un marché qui débute en Europe, en territoire positif, avec en tout cas un DAX qui s'est hissé au-dessus des 11 700 points, un CAC 40 à 4 650 points. Nous allons détailler la situation technique sur le marché actions et nous allons débuter bien entendu par l'indice allemand. Le DAX en données journalières qui profite de ce retour de l'appétit pour le risque pour rebondir et se hisser au-dessus des 11 700 points, un rebond qui est tout à fait normal, mais qui ne vient pas remettre en cause une poursuite du repli. Alors qu'en est-il en données H4? Nous ne sommes toujours pas parvenus à nous affranchir de cette zone de résistance. On tente actuellement de passer au-dessus, mais il faudrait réellement s'en affranchir pour envisager une poursuite de la hausse. Et ici, on devrait rencontrer un obstacle de taille, notre Kijun en palier, les 11 790 aux portes des 11 800 points. Donc prudence, une hausse qui pourrait être freinée. Tout d'abord, nous avons une zone de résistance qui agit à l'heure actuelle, mais si le DAX parvient à s'en affranchir, on aura le seuil psychologique à 11 800 points qui est renforcé ici par la Kijun en palier. Donc des perspectives qui étaient haussières. À très court terme, nous avons peut-être atteint un plafond, donc prudence, une baisse qui pourrait s'approfondir avec des objectifs de court terme non loin des 11 000 points, 11 200 points, dernier rempart avant le seuil psychologique des 11 000 points pour l'indice allemand. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 également en rebond qui tente de retrouver des couleurs en ce début de semaine, en ce début de séance européenne. Un CAC 40 qui devrait faire face à un plafond également, à une zone de résistance comprise entre 4 720 et 4 750 points. Dernier rempart avant le nuage, un nuage qui est relativement faible. Mais prudence, hein, car effectivement, le CAC 40 pourrait ne pas parvenir à aller jusqu'à ces deux éléments Ichimoku, à savoir la Tenkan et la Kijun. Donc les perspectives étaient à très court terme haussières. On fait peut-être face actuellement à un plafond à l'image du DAX allemand. On passe à présent à Wall Street avec cette vision globale ici du Nasdaq, le Nasdaq qui est en rebond. Alors effectivement, un pullback en direction de la borne inférieure du nuage reste complètement envisageable. On garde à l'esprit ici cette configuration de double top selon Osoda qui nous donne trois objectifs plutôt éloignés, 8 874, 7 092 et 5 311. On garde à l'esprit également l'objectif théorique du double top qui vient correspondre avec notre objectif E à 8 874. Donc ici pour le Nasdaq, un pullback en direction du bas de nuage, en direction des 11 300 points est tout à fait envisageable, ce qui pourrait être un point de vente pour aller chercher ici notre ligne de coup. Et si la ligne de coup cède, le prochain objectif est à 8 880. Qu'en est-il du Nasdaq en données intraday? Un Nasdaq qui tente de retrouver des couleurs, hein, un Nasdaq qui n'a cessé de se replier depuis la sortie ici de son diamant de court terme, un diamant de court terme qu'il a renvoyé vers son précédent support pour aller chercher ensuite l'apex de cette figure chartiste, l'apex d'une figure chartiste qui correspondait également à une projection E, et on s'est replié considérablement par la suite pour aller chercher une autre projection V ici, et c'est très précisément le niveau que va chercher le Nasdaq s'il ne parvient pas à s'en affranchir. Il devrait donc retrouver la baisse pour aller chercher ici les 11 840 points. Donc prudence ici en cas d'échec face aux 11 200 points. Alors qu'en est-il à présent du S&P 500? Tout d'abord le S&P 500 d'un point de vue journalier avec une configuration technique similaire à celle du Nasdaq et donc un pullback en direction de son nuage journalier, éventuellement de cette oblique haussière, ce qui nous fournirait donc
donc un excellent point d'entrée. On note tout de même ici une lag in Spain, Chico Spain, qui est venu s'empêtrer en plein milieu d'obstacles. Et donc, très difficile d'imaginer une lag in Spain qui vient s'affranchir de tous les obstacles qui l'attend. Et c'est comme ça qu'il faut lire cette lag in Spain. C'est qu'en cas de scénario haussier, notre lag in Spain devrait s'affranchir d'une rangée de bougies, du nuage, de la quille jaune, d'absolument tous les éléments. Le scénario baissier, quant à lui, serait beaucoup plus clément pour la lag in Spain. Il ne lui resterait que le bas de nuage à franchir et donc par la même occasion cette oblique haussière. Alors nous allons passer sur le S&P 500 en données H4 avec un S&P 500 également de retour sur un sur sa résistance des 3320 et donc c'est concrètement le plafond pour le S&P 500 et s'il échoue face à cette résistance ce sont les 3210 voire le seuil psychologique à 3200 qui seront ciblés pour le S&P 500. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones également qui a retrouvé des couleurs pour aller chercher les 26750 et s'il parvient à passer au-dessus de ce niveau, hein, je vous rappelle que c'était une résistance qui avait été testée vendredi. S'il parvient à se hisser au-dessus de ce niveau, ce serait pour aller chercher les 27170. En revanche, un échec renverrait le Dow Jones en direction des 26240 points. Nous allons passer sans plus tarder en Asie avec le Nikkei qui est venu réintégrer son canal haussier en s'affranchissant par la même occasion de sa résistance à 23300 points avec pour cible les 23400 points, avec pour cible même une zone de résistance comprise entre 23400 et 23435. Et s'il parvient à s'en affranchir, la cible sera 23560 points. En revanche, un échec le renverrait vers ce support, le seuil psychologique des 23300. Et ce sera vraiment le niveau qui devra tenir. Sinon, en cas de passage, en cas de clôture aujourd'hui sous ce niveau-là, le scénario baissier sera à nouveau d'actualité pour aller chercher ici les 22935 points. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold qui est en standing by à l'aube des élections américaines. Donc devant vous le gold en données journalières avec ici une moyenne mobile à 50 périodes qui vient renforcer le bas de nuage et donc un gold qui est en dessous de tous éléments, donc notamment la Tenkan et la Kijun, donc de fortes résistances hein, qui devraient empêcher au gold d'aller se hisser au-dessus du seuil psychologique à 1900$ l'once, même s'il parvient à faire cela. À noter qu'une zone de résistance devrait empêcher sa progression haussière avec notamment le nuage et cette moyenne mobile. Moyenne mobile à 50 périodes. Alors seule une hausse considérable du risque devrait permettre au gold de s'affranchir de son nuage journalier si par exemple Donald Trump refusait une passation de pouvoir à Joe Biden. Qu'en est-il du gold en données H4? C'est la Kijun qui vient le tenir et nous avons cette oblique baissière qui viendrait empêcher le gold de continuer en territoire positif s'il parvenait à s'affranchir de sa Kijun. À mon avis, prudence sur le gold pour le moment. Nous sommes à quelques heures hein, d'élection historique. Qu'en est-il du pétrole? Lui n'a pas attendu avant de se replier car il fait face à plusieurs facteurs que nous avons d'ores et déjà énoncés. Nous avons donc une cible ici à moyen terme qui est à 28,76$, mais il serait plus sage d'aller se contenter des 30$. $30, un objectif pour les baissiers. Si le pétrole passe en dessous des $30 et vient chercher effectivement les 28,75$, un repassage au-dessus des $30 sera un excellent point d'entrée, un excellent point d'achat pour profiter de la reprise du marché pétrolier car effectivement les pays membres de l'OPEP, vous l'aurez compris, souhaiteraient un cours du pétrole durablement au-dessus des $40 le baril et ça correspond tout simplement à notre SSB. Donc voilà pour le pétrole, nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui est sorti de son nuage hein, par le haut aujourd'hui. C'est un signal d'achat qui n'est pas validé tout de même hein, par notre lag in Spain. Attention car si volatilité il y a, ce sera très précisément à ce niveau-là. Et donc qu'en est-il de l'euro-dollar? L'euro-dollar qui s'est fortement replié, un euro-dollar qui pourrait aller chercher les 1,14 avec pour cible intermédiaire les 1,15,60. Hein,
face notamment à la situation qui se dégrade et les élections, situation qui se dégrade, situation sanitaire qui se dégrade en Europe, mais également les élections américaines. L'euro dollar se stabilise actuellement à 1,1640 quand l'USDT marque une pause sur des records historiques. Alors ce Good Morning Market hebdomadaire touche à sa fin. Une vidéo qui nous a permis de faire le point juste avant des élections américaines qui pourrait être source de volatilité, qui pourrait être un tournant pour les marchés. Donc la prudence est de mise. Le mieux est de se préparer sur les marchés que l'on veut intervenir. D'où la publication de cette vidéo, d'où un webinaire spécial également pour les élections américaines dès demain. Et bien entendu, cet événement sera couvert pendant la nuit de mardi à mercredi. Vous retrouverez ici dans l'onglet actualité tout ce qu'il faut savoir sur les élections américaines en temps réel. Alors je vous souhaite bonne chance pour cette semaine. Bon courage, j'espère que les gains seront au rendez-vous. Il faudra être tout de même extrêmement prudent face à la volatilité que l'on attend lors des prochains jours. Alors sur ce, excellente séance de trading, on se donne rendez-vous dès demain pour se préparer encore plus à ces élections américaines. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir et à demain.